Mes chers confrères, mes chères consoeurs, je vous remercie de votre accueil chaleureux. C'est pour moi un très grand honneur de participer à ce 24e symposium interrégional d'entomologie anisotropique. Quelle belle assemblée! C'est la première fois que je vois autant de spécialistes des insectes réunis dans une seule salle, et je peux vous le dire que ça me réchauffe le cœur. Je suis le professeur Eugène Fournier, je dirige le département de diptérologie encéphalique de l'Université Louis Pasteur de Montélimar. Et si mon nom ne vous dit rien, eh bien, sachez que je suis l'auteur de plusieurs publications notables, parmi lesquelles les moustiques arctiques traités aux antibiotiques ont des toques, la coccinelle à 7 points conduit plus prudemment que la coccinelle à 10 points, et la menthe religieuse devient athée après un bain prolongé dans l'eau bénite. Ces publications sont malheureusement peu citées par les chercheurs contemporains, pardon, ce qui a fait dire à mon épouse « Eugène, mon ami, il faut vivre avec votre temps. Quand bien même le 19e siècle serait l'âge d'or des sciences naturelles, eh bien vous devriez étudier un sujet plus au goût du jour. » Et elle avait raison, parce que les femmes ont toujours raison. Aujourd'hui, je viens donc vous parler d'un nouveau sujet, un sujet qu'on n'aborde jamais dans les rencontres d'entomologie. Je veux vous parler d'agilité. Et oui, bien loin des lépidoptères, des hyménoptères et des odonates, hein, dont vous allez entendre parler toute la journée, je souhaite vous faire part de mes travaux sur ce que peut nous apprendre une approche de conduite de projet en entreprise qui se nomme méthode agile. Alors, qui parmi vous a déjà entendu parler de cette méthode? Voilà, personne, je m'en doutais, mais c'est pas grave, parce que vous êtes bien assez occupés à dénombrer les yeux des arachnides. Aussi, permettez-moi de faire l'introduction de l'agilité. L'agilité, c'est, voyez-vous, une méthode tout à fait surprenante, inventée il y a 2 décennies par un groupe de marginaux dont le métier était de programmer des logiciels informatiques. À l'époque, ils utilisaient une méthode dite cycle en V, dite aussi méthode de l'arrache, qui était assez peu efficace. Et en raison des retards de livraison systématiques, leurs clients les accablaient de reproches. Alors, ils se sont réunis dans un groupe nommé les architectes anonymes et ils ont suivi une méthode en 12 étapes pour retrouver de l'estime de soi. Et ce groupe a accouché d'un concept fumeux intitulé « Imprévisibilité du travail informatique ». Et ce principe leur a permis de théoriser un mode de pilotage dans lequel ils ne prennent aucun engagement. Et donc, plutôt que d'améliorer leur productivité, c'est-à-dire de faire ce que leur demandaient leurs clients, ils ont changé la signification même du terme « productivité ». Et cette astuce a fonctionné à merveille, puisqu'aujourd'hui, les informaticiens sont devenus des vedettes, courtisés par toutes les sociétés. L'agilité leur a permis de retourner la charge de la preuve. Aujourd'hui, c'est à un client de prouver que son projet est digne d'intérêt et pas aux informaticiens de garantir qu'ils peuvent le construire. Ça peut vous paraître aberrant, et c'est vrai que ça l'est à plus d'un titre, mais c'est pourtant la réalité. Je l'ai constaté moi-même pendant la phase de terrain de mon étude. J'ai d'ailleurs choisi d'illustrer ma théorie par l'étude d'un spécimen tout à fait représentatif, une société nommée Marmolab, qui est dirigée par un certain François Zaninotto. Regardez-moi cette barbe mal taillée, cette chemise déboutonnée, ce manque de sérieux chronique, ça en dit déjà long sur la superficialité de ces gens-là. Cette société vend de l'innovation numérique à des compagnies en s'appuyant sur ces fameuses méthodes agiles. En fait, ils développent des applications pour ordinateurs et téléphones portatifs, généralement instables et sur la base de besoins mal exprimés. Alors, l'agilité s'appuie sur des principes ésotériques et tout à fait contre-intuitifs, généralement énoncés dans un jargon inutilement abscon et jamais prouvé. Par exemple, l'un de ces principes prône une réduction des outils et des processus au profit d'interactions humaines. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, dans la société Marmolab, quand un développeur veut partager une découverte, au lieu de formaliser ses apprentissages dans un article et de le publier dans une revue à comité de lecture, ce qui serait efficace, il invite plutôt ses collègues à une discussion informelle sur le temps de midi. Ils appellent ça un BBL. Il n'y a pas de support, pas de plan prédéfini. La seule chose que les collègues mémorisent, en fait, c'est le nom du développeur qu'ils devront solliciter s'ils ont un jour besoin d'utiliser cette technologie. Je trouve ça fort drôle et aussi complètement inefficace. Imaginez cette approche chez les entomologistes médico-légaux, hein, dans le métier de déterminer la date de décès d'une victime en inspectant les insectes nécrophages sur le cadavre. Eh bien, au lieu de
prélever l'entophome, hein, d'élever les larves récupérées sur le corps, de dénombrer les pupes. Ils se contenteraient de demander à un de leurs collègues « Et vous, la dernière fois que vous avez vu un cadavre, il était mort depuis combien de temps ?»« Non, mais à peu près. » Voilà, vous voyez, c'est grotesque. Les principes de l'agilité heurtent le sens commun. Vu de l'extérieur, cette histoire d'agilité ressemble plus à une escroquerie montée par des enfants gâtés qui ne veulent pas s'engager, qui prennent tout à la légère. J'ai d'ailleurs vu des étagères remplies de jouets dans les bureaux des sociétés que j'ai étudiées. C'est tout à fait révélateur. Et pourtant, l'agilité fonctionne. Les entreprises agiles arrivent à mieux garder leurs clients et leurs employés. Et pour une méthode conçue de façon empirique, eh bien, il y a quand même de quoi s'interroger. C'est le sujet que je souhaite explorer avec vous aujourd'hui. Qu'est-ce qui, au-delà des effets de mode, fait que l'agilité est une approche efficace? Quelles sont les raisons pour lesquelles cette approche fonctionne mieux que les autres? Alors si cette question a déjà été posée, personne ne l'a jamais abordée avec la rigueur scientifique qui prévaut dans notre métier. Et si vous vous demandez comment la réponse peut vous aider dans votre travail d'entomologiste, eh bien je peux vous dire que mes recherches m'ont amené à découvrir des lois à la portée universelle qui peuvent révolutionner la pratique naturaliste. Alors entrons dans le vif du sujet. D'emblée, on se heurte à une difficulté de taille, puisque l'agilité ne s'applique pas aux insectes, hein, que nous connaissons très bien, mais à l'entreprise. Et là, chers confrères, chères consoeurs, j'imagine que vos connaissances scientifiques en la matière sont un peu courtes, tout comme les miennes. Heureusement, les économistes, qui rêvent de faire de la vraie science, n'ont de cesse de transposer des modèles physiques ou biologiques au monde du travail. Et Joseph Schumpeter, un éminent économiste austro-hongrois, a publié en 1911 une théorie de l'évolution économique dans laquelle il décrit les entreprises comme des organismes qui évoluent naturellement pour s'adapter aux ouvertures de nouveaux marchés, aux innovations des autres entreprises ou aux changements réglementaires qui brisent les monopoles. Un petit aparté, ce monsieur Schumpeter est plus connu pour sa théorie de la destruction créatrice qui sert aujourd'hui de prétexte aux présidents occidentaux pour balayer d'un revers de la main les conséquences néfastes de l'innovation. Pour ma part, je retiens surtout de ce monsieur Schumpeter son passage au gouvernement autrichien comme ministre des Finances. Il y aura suffi d'un an pour provoquer une hyperinflation incontrôlable et se faire mettre à la porte. Je retiens également son passage comme directeur d'une petite bande viennoise, qu'il a réussi à faire couler en 3 ans. Et enfin, ce professeur a enseigné à Harvard dans les années 30, époque dont tout le monde se souvient comme de la Grande Dépression. Mais revenons à sa théorie de l'évolution économique. Elle est bien entendu basée sur la théorie de l'évolution formulée en 1859 par notre cher Charles Darwin dans « De l'origine des espèces », mon livre de chevet. Et ça, c'est de la vraie science. Pour Schumpeter, je vous le disais, une entreprise est un organisme, une somme de fonctions différentes, comme sur ce schéma anatomique d'un perce-oreille, Forficula auricularia. Il y a par exemple la direction juridique qui protège l'entreprise par des petites phrases cachées dans des articles anodins, ou la direction administrative qui compte les entrées-sorties, ou encore la direction commerciale qui construit une apparence trompeuse pour attirer des partenaires. Donc une entreprise est un organisme, j'irais même jusqu'à dire qu'elle a un système nerveux central qui est la direction générale. Et comme les organismes vivants, eh bien, les organismes économiques formeraient un écosystème. Et c'est vrai qu'en suivant l'intuition de Schumpeter, on reconnaît dans les interactions entre les entreprises de nombreux phénomènes bien connus des naturalistes, comme par exemple la prédation, le parasitisme, la compétition, le mimétisme, et même la symbiose, comme cette interdépendance vitale entre les livreurs à bicyclette et les assureurs, l'un ne pouvant pas vivre sans l'autre. Je considère donc cette théorie comme le fondement de ma réflexion. Les entreprises sont soumises à la loi de l'évolution, seules les plus adaptées à leur environnement survivent. Mais alors, quelle est l'influence de cette fameuse approche agile sur le mécanisme de sélection naturelle? Alors, je ne vais pas vous faire l'affront de vous rappeler les 3 principes de la théorie de Charles Darwin, que sont la variation, l'adaptation et l'hérédité. Je vais juste m'adapter au premier de ces principes, la multiplicité des caractères, des traits qui varient d'un individu à l'autre. Les sociétés ont-elles aussi des caractères variables, des stratégies, des tactiques différentes pour s'adresser à leur clientèle? Le second point de ma théorie est que ces variations sont plus importantes chez les sociétés agiles que chez les autres. Laissez-moi vous expliquer pourquoi.
Les directions agiles qui pratiquent l'agilité encouragent les cycles courts, la remontée de propositions d'amélioration de la base et l'expérimentation. Eh bien, le résultat, c'est que chaque équipe, chaque organe, invente de nouvelles façons d'accomplir la tâche qui lui est confiée, et ce, plusieurs fois par mois. Je propose donc que l'agilité multiplie les mutations, au sens biologique du terme, par rapport aux entreprises classiques. Je vous donne un exemple, à nouveau tiré du spécimen Marmolab. Les développeurs effectuent régulièrement un travail de planification, et pour ce faire, ils estiment la difficulté des tâches demandées par leurs clients. Et au cours des 7 années de la vie de la société, ce travail d'estimation a pris 4 formes différentes. D'abord, estimation par un seul programmeur, souvent le plus senior. Estimation collégiale sous la forme d'un jeu, le planinge poker, utilisant des cartes à jouer. Et débouchant sur une estimation en points, estimation collégiale à nouveau, cette fois en jours et sans cartes. Et finalement, pas d'estimation du tout, Marmelade pilotant son calendrier, non plus en fonction de la complexité de chaque demande client, mais en fonction du nombre de ces demandes. On peut dire que le travail d'estimation dans cette entreprise a muté de nombreuses fois. Donc l'agilité augmente les mutations à l'échelle d'une équipe, à l'échelle organique. Mais à partir de quand ces mutations permettent-elles l'émergence de nouveaux caractères dans l'espèce, se transmettant d'entreprise en entreprise? Pour répondre à cette question, revenons quelques instants à l'entomologie. Vous connaissez sans doute l'histoire du phalène du bouleau, Biston betularia. Ce papillon de nuit existe sous 2 formes, une gris clair dite typica et une noire dite carbonaria. La forme noire, qui était extrêmement rare en Grande-Bretagne, est devenue progressivement abondante à partir de la révolution industrielle. Parce que sur les troncs des arbres noircis par la suie, eh bien les papillons gris clair n'étaient plus dissimulés de leurs prédateurs. L'émergence de nouveaux caractères par la sélection naturelle est donc parfois perceptible à l'échelle d'une vie humaine. Mais le phalène du bouleau est une exception. Dans le cas général, le rythme de la sélection naturelle est lent. La spéciation, c'est-à-dire la création d'une nouvelle espèce, prend habituellement plusieurs centaines de milliers d'années. Les lois qui régissent la vitesse de spéciation font aujourd'hui débat, mais on sait que cette vitesse est proportionnelle au taux de mutation par génération et inversement proportionnelle à la durée de vie des individus. Alors quel serait le résultat d'une augmentation de la fréquence des mutations dans une population soumise à la sélection naturelle? Bien, tout simplement une accélération de la différenciation des individus les uns par rapport aux autres. J'avance donc que l'agilité, en multipliant les mutations, fait émerger plus vite de nouveaux comportements durables en entreprise. Alors si vous avez prêté attention à mon raisonnement, il comporte une faille. J'ai parlé de sélection naturelle. Or, dans le monde des sociétés du numérique, à première vue, s'il y a une sélection, elle est rien moins que naturelle. Barrières douanières, abus de position dominante, piratage informatique, il y a bien des causes de fermeture d'entreprise, mais elles sont toutes le fait d'une décision intelligente issue d'une pensée complexe. Donc la sélection des entreprises ne serait pas naturelle, mais uniquement artificielle, humaine. Eh bien, je vais probablement vous surprendre, mais je pense que la sélection naturelle a quand même cours dans les entreprises, et ce, à cause d'un certain type d'individus que sont les consommateurs. Ce sont eux qui décident de la vie ou de la mort des entreprises en achetant ou en délaissant leurs produits. Eh bien, ces consommateurs prennent des décisions qui sont guidées non pas par la raison, mais par la publicité. Et ils agissent souvent en dépit du bon sens, achetant de l'eau en bouteille plutôt que d'ouvrir leur robinet ou remplissant leur cabas d'emballage plastique alors qu'ils pourraient réutiliser leur propre peau. Ma proposition est que les consommateurs agissent comme des sélecteurs naturels tout simplement parce qu'ils ne réfléchissent pas. Un dernier point en ce qui concerne les mutations. Dans la nature, elles se transmettent à d'autres membres de l'espèce par l'hérédité, mais aussi, dans certains cas, les mutations passent d'une espèce à une autre. Un des mécanismes de ces transferts horizontaux repose sur les virus. Les virus, vous le savez, sont des acariotes qui ne peuvent pas se reproduire par eux-mêmes. Ils ont donc besoin d'une cellule hôte dans laquelle ils intègrent leur ADN. Et par conséquent, ils génèrent des mutations génétiques. Et de nombreux biologistes considèrent aujourd'hui que ces transferts horizontaux entre espèces sont un facteur majeur de l'évolution. Alors, existe-t-il un équivalent des virus dans le monde de l'entreprise? Eh bien oui, j'en ai trouvé. Ils se nomment les consultants. Comme les virus...
Comme les virus, les consultants tentent d'intégrer leur code génétique à celui de l'entreprise qu'ils infectent. Leur présence déclenche en général une réaction de défense et ils consomment les mêmes ressources que les salariés. Leur population a explosé depuis 30 ans, on peut donc assimiler ça à une épidémie galopante. On peut dire que les consultants sont le H5N1 de l'entreprise. Bref, l'écosystème des entreprises ayant les mêmes caractéristiques qu'un écosystème naturel, la loi de l'évolution telle que théorisée par Charles Darwin s'applique. Elle montre que les transformations des entreprises leur permettent de mieux s'adapter à un environnement changeant. Je soutiens que l'agilité provoque davantage de mutations et accélère donc le rythme d'adaptation des sociétés à leur environnement. Et pour poursuivre, revenons quelques années en arrière. Jean-Baptiste de Lamarck, avant Charles Darwin, avait théorisé un système d'évolution des espèces appelé le transformisme, qui s'appuyait sur le concept de finalité. Et selon Lamarck, les transformations des individus vont dans un sens particulier, pas dans tous les sens. Darwin, lui, avait l'intuition que les mutations apparaissent au hasard. Pas besoin de finalité pour que ces mutations permettent l'évolution. Et ça, c'était révolutionnaire. Il faudra d'ailleurs attendre 1911 pour que Thomas Morgan découvre le mécanisme des mutations génétiques et démontre que Darwin avait raison. L'agilité, nous l'avons vu, multiplie le rythme des mutations. Mais si, comme l'a montré Charles Darwin, ces mutations vont dans toutes les directions, eh bien, rien ne dit qu'elles sont dans l'intérêt de l'entreprise. Parfois, elles fonctionnent, parfois, elles ne fonctionnent pas. Donc, l'agilité produit aussi davantage de mauvais changements, davantage de désordres, davantage d'échecs. Mais ce n'est pas grave, car la sélection naturelle des consommateurs élimine les entreprises qui se renouvellent dans le mauvais sens, au même titre que les entreprises qui ne se renouvellent pas. Je soutiens que l'agilité, pour accélérer l'adaptation, n'a elle non plus pas besoin de finalité. Et voici un exemple frappant. L'agilité propose que le logiciel en cours de développement soit livré régulièrement, même s'il n'est pas terminé. Certaines startups poussent ce concept jusqu'à publier des expérimentations dans lesquelles l'utilisateur final sert de cobaye, cavia porcellus. Ils appellent cette approche le Lean Startup. En gros, ils publient régulièrement une flopée de nouvelles fonctionnalités dont l'utilisateur ne veut pas, mais une fois de temps en temps, une de ces fonctionnalités aide un utilisateur à mieux travailler dans un cas particulier. C'est très étonnant, mais ça fonctionne en vertu de la sélection naturelle. Sauf qu'une fonctionnalité qui dérange, moi j'appelle ça une erreur. Les informaticiens disent un bug. Et d'ailleurs, vous savez ce que signifie le mot bug en anglais ? Précisément, insecte. Vous apprécierez l'ironie de la situation. Donc, dit autrement, le Lean Startup délivre en permanence à ses clients de nouvelles erreurs, dans l'espoir qu'un jour, une de ces erreurs soit par hasard aussi une fonctionnalité. Ce qui me mène au cœur de ma théorie, à sa proposition clé, l'agilité fonctionne par hasard. C'est uniquement parce qu'elle encourage les mutations qu'elle permet l'évolution. Car même si 50% de ces mutations étaient des impasses complètes et n'amenaient aucune amélioration, l'agilité fonctionnerait quand même en vertu de la sélection naturelle. Alors j'imagine la tête des agilistes quand ils comprendront qu'ils peuvent faire n'importe quoi, eh bien ça marchera quand même, tant qu'ils encouragent le changement. D'ailleurs, si vous me pardonnez ce néologisme, il ferait mieux de s'appeler des agilitateurs. Et donc, évidemment, toute tentative de normaliser l'agilité est vouée à l'échec, puisque la direction du changement importe peu. Et pourtant, les agilistes adorent construire des cadres méthodologiques pour évoluer dans le bon sens. Alors, ces méthodes fleurissent, elles sont dotées de noms barbares comme Scrum, Kanban, SAF ou Agile à Scale. Sont-elles efficaces ? Sur un coup de chance, peut-être. Mais il y a aussi une forte probabilité pour qu'elle fasse plus de dégâts que de bien. Ce n'est pas parce qu'une pratique a fonctionné dans une société qu'elle fonctionnera ailleurs, pour la même raison que la copie d'une partie du génome d'un narval dans un embryon de poney ne permettra jamais de produire une licorne. Les sociétés qui auront le plus de chances seront celles qui accepteront de changer. Elles s'adapteront plus vite si elles construisent un moteur du changement au cœur de leur organisation. J'ouvre une petite parenthèse, les informaticiens ont réalisé qu'ils pouvaient générer des mutations aléatoires dans un programme pour le rendre plus efficace à une certaine tâche. Ils ont automatisé cette technique d'apprentissage par des machines et ils l'ont baptisé les algorithmes génétiques. Et oui, chers confrères, chers consoeurs, les informaticiens nous ont chippé la sélection naturelle pour la mettre dans leur calculateur. C'est à la fois flatteur et effrayant.
Bref, je vous ai exposé le principe de la sélection naturelle des caractères particuliers des entreprises et les mécanismes à l'œuvre dans l'influence de l'agilité sur ce processus. Et pour le dire simplement, l'agilité ne fait rien d'autre qu'ajouter de l'entropie dans le monde de l'entreprise. Nous avons donc répondu à ma question initiale, quel est le moteur de l'agilité ? Le hasard. Vous voyez qu'un raisonnement structuré permet de démontrer un principe de causalité même dans le monde de l'entreprise. Mais on peut aller encore plus loin et utiliser la même approche scientifique, cette fois pour réduire l'agilité aux conditions nécessaires et suffisantes pour qu'elle fasse effet. Dit autrement, je vous propose de débarrasser l'agilité de toute la mythologie qui l'entoure. C'est assez facile de balayer les rituels puérils du stand-up, du sprint planinge ou de la rétrospective, parce que dans la nature, les insectes n'ont pas besoin de rituels. Mais que doit-on garder de l'agilité pour en conserver les bénéfices ? Alors tout d'abord, permettez-moi de m'attacher au mot « mutation » que j'ai prononcé à de nombreuses reprises. Ce mot comporte une connotation dramatique. Les mutations, elles peuvent être provoquées par des produits chimiques, par des radiations. Certaines mutations, comme les cancers, mènent à la mort. En voici un exemple tiré des travaux de Tim Mousseau et Anders Moller, qui ont catalogué les mutations de gendarmes, Pyrrhocorhis apterus, en 2011, à Tchernobyl. La plupart de ces spécimens étaient très vulnérables et mouraient prématurément, et les autres, trop laids, étaient délaissés par leurs prétendantes et mouraient sans descendance. Dans le monde de l'entreprise, les directeurs parlent de résistance au changement de façon négative. Mais vous le voyez, le changement peut être délétère. La peur du changement est donc légitime, c'est un mécanisme de protection. Et on peut donc avoir un peu d'empathie pour les équipes qui seront forcées de passer à l'agilité, c'est-à-dire de subir l'obligation d'expérimenter une nouvelle mutation. Une bonne partie de ces équipes disparaîtront parce que les mutations qu'elles subiront iront dans le mauvais sens. Une entreprise qui perçoit l'échec comme une valeur positive plutôt que comme une chose à éviter a donc plus de chances de survivre à des mutations ratées. Cette sécurité psychologique, elle n'apparaît pas spontanément, elle est initiée et cultivée par les chefs d'équipe pour encourager l'expérimentation. J'ai constaté ce principe à l'œuvre chez Marmolab. Les nouveaux arrivants travaillent pendant leur première semaine dans l'entreprise sur un projet qui a été spécialement conçu pour être impossible à réaliser en une semaine. Mais ils ne le savent pas. À l'issue de cette semaine, les nouveaux arrivants sont obligés d'avouer leur échec, et c'est alors que l'ensemble de l'équipe les félicite et leur demande ce qu'ils ont appris. Ils sont en général très surpris et aussi très rassurés, au point qu'ils hésitent beaucoup moins à prendre des risques par la suite. Ce qui m'amène au premier principe fondamental de l'agilité, le premier conseil de naturaliste à donner aux entreprises qui se veulent agiles, la sécurité psychologique est indispensable à la réussite de ce processus de transformation. La plupart des mutations accidentelles dans le monde vivant n'ont aucun effet. Un gène a changé, mais c'est sans conséquence aucune sur l'organisme. D'ailleurs, les mutations génétiques interviennent beaucoup plus souvent qu'on ne le croit. Seules les mutations qui ont un effet sur l'interaction d'un être vivant avec son environnement sont susceptibles d'être sélectionnées. Par exemple, l'évolution a doté Greta Otto, ce petit papillon d'Amérique centrale, d'ailes transparentes. Et cette mutation a persisté parce qu'elle rend le papillon invisible à ses prédateurs. Elle lui procure un avantage. À l'inverse, d'autres mutations ne procurant aucun avantage sont jamais sélectionnées. On peut citer les mutations Antenapedia et Bithorax de la mouche du vinaigre, Drosophila melanogaster. Ces mutations d'un seul gène sont certes spectaculaires, une paire de pattes sur la tête à la place des antennes, ou une deuxième paire d'ailes. Elles n'ont jamais donné naissance à une nouvelle espèce, peut-être parce qu'une mouche Antenapedia privée de ses organes sensitifs de ses antennes pourrait confondre une femelle mouche du vinaigre avec une guêpe, ce qui peut s'avérer douloureux. Eh bien, dans l'entreprise, c'est pareil. Des tas de changements sont invisibles du point de vue des clients finaux et donc ne permettent pas de sélectionner, de valider ce changement. Imaginez une entreprise très agile qui ajouterait une fonctionnalité chaque jour, mais qui ne délivrerait son produit que tous les 6 mois. Comment savoir quelle fonctionnalité a causé le succès ou l'échec de la dernière version ? C'est impossible. Si l'entreprise change constamment, il faut donc que chaque changement soit aussitôt visible par son environnement et que son effet soit mesurable. Et à la différence des organismes vivants, les entreprises peuvent même déterminer à l'avance ce qu'elles attendent d'une mutation. Elles peuvent donc éviter de démarrer une transformation si les effets ne seront jamais perceptibles.
J'ai vu ce principe à l'œuvre lors de mon étude sur les startups. L'unité de développement, qu'en jargon agile, il nomme une user story, utilise une formulation particulière qui fait ressortir l'effet attendu. Cet effet est chiffré, autant que faire se peut. Par exemple, le changement d'aspect d'un bouton n'est validé que si la durée de la tâche qu'il automatise diminue significativement. Alors attention, j'ai parlé d'expérimentation et de résultats significatifs, mais ça ne veut pas dire la même chose pour les agilistes que pour vous et moi. Nous, nous suivons un protocole scientifique, nous utilisons le fameux petit p pour déterminer si une expérimentation est significative. Les agilistes, pour la plupart, ne savent pas calculer un écart-type. Et par conséquent, pour eux, si une expérimentation a marché une fois, alors elle marchera dans tous les cas. Et si une expérimentation échoue une fois, alors elle échouera dans tous les cas. Une petite remise à niveau statistique n'est donc pas un luxe, et j'ai constaté qu'il ne faut qu'une heure ou deux pour expliquer qu'une expérimentation n'est concluante que si son effet est très important ou si l'échantillon testé est très grand. En synthèse, l'entreprise doit apporter constamment de nouveaux services pour que la sélection par les clients puisse être mise en relation avec les changements. J'ai formulé ce second principe de la façon suivante: les sociétés agiles doivent apporter de la valeur en continu. Si une mutation procure un avantage évolutif, il faut encore que cette mutation soit transmise à d'autres individus. Et ça peut prendre beaucoup de temps. Dans le monde du vivant, ça dépend du temps de génération, le temps d'œuf à œuf chez les insectes. Ce temps varie de 150 ans pour la tortue géante, à 5 ans pour le pinson des arbres, et seulement 4,7 jours pour le puceron Rhopalosiphum prunifolia. Et les insectes bénéficient pour la plupart de temps de génération court, ce qui leur a permis d'évoluer extrêmement vite. Ils ont inventé l'agriculture il y a 60 millions d'années, comme le témoigne la fourmi coupeuse de feuilles, Atta colombica, qui élève des champignons et les nourrit avec des feuilles mâchées. En comparaison, Homo sapiens n'a découvert cette technique qu'il y a 12 000 ans, et il doit faire mâcher les feuilles à des ruminants parce qu'il ne sait pas le faire lui-même. Le cycle de vie d'une entreprise, lui aussi, varie considérablement d'une espèce à une autre. Les plus grosses entreprises vivent longtemps parce qu'elles sont dotées de réserves considérables. C'est le cas notamment des banques, des compagnies d'assurance. Mais paradoxalement, cette longévité les amènera à survivre même si elles ne sont plus adaptées à leur environnement, et donc à retarder leur nécessaire adaptation à la génération suivante, et ça peut prendre des dizaines d'années. A contrario, les petites entreprises, les start-ups, dépassent rarement les 3 ans d'âge, et leurs dirigeants, en faisant naître et mourir plusieurs entreprises dans leur carrière, ont bien davantage de chances de trouver un produit très adapté à leur marché. À ce titre, on peut dire que les réserves sont un handicap pour l'adaptation, puisqu'elles ralentissent les effets de l'environnement et cachent le besoin de changement. Et à l'inverse, la fragilité pousse à des expérimentations répétées et courtes qui sont la clé d'une adaptation rapide. La société Marmolab commence à appliquer ce principe et passe sur le grill tous ses projets après 3 mois pour en évaluer le succès. Si la société éditrice n'a toujours pas réussi à livrer un produit, même incomplet, au client final, ou si le client final n'a pas encore montré un intérêt significatif pour la solution, alors le projet est un échec. Et selon cette grille de lecture, environ 80% des projets de Marmolab sont des échecs. Alors le fait de s'en rendre compte leur permet de passer davantage de temps à pallier les facteurs d'échec, comme le délai de la première mise en production, l'accès au client final ou la surqualité en début de projet. Et c'est donc mon 3e conseil: pour que l'agilité produise ses fruits à un rythme rapide, les entreprises doivent expérimenter et apprendre rapidement et s'inspirer davantage des fourmis que des tortues géantes. J'attire votre attention sur un risque important de l'approche agile. L'agilité intervient surtout dans l'organe informatique de l'organisme entreprise. Et comme c'est lui qui subit le plus de mutations, il prend davantage de place au cours du temps. Et le résultat, c'est une hypertrophie de l'informatique. Regardez les 5 plus grosses capitalisations boursières mondiales: Apple, Google, Microsoft, Amazon, Tencent. Ce sont toutes des sociétés dans lesquelles l'informatique joue un rôle prépondérant. Alors j'ai parlé d'hypertrophie à raison, vous avez sans doute immédiatement pensé aux dinosaures, et aussi, eux aussi ont suivi une voie vers le gigantisme, ce qui leur a donné d'énormes avantages sur les autres êtres vivants, mais ne leur ont pas permis de survivre à la grande catastrophe planétaire survenue il y a 65 millions d'années. Mon intuition est que les géants de l'économie mondiale,
qui s'appuient de façon démesurée sur l'informatique seront plus vulnérables en cas de changement majeur de l'environnement, par exemple en cas de changement climatique, de renchérissement du prix de l'électricité, ou tout simplement face à la pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Alors que d'autres entreprises, chez lesquelles les variations interviennent non seulement dans l'informatique, mais aussi dans d'autres organes, comme les ressources humaines, le commerce, la gestion, ont à mon sens davantage de chances de survivre à un événement économique majeur. L'agilité doit donc dépasser le développement logiciel pour devenir un outil de gestion d'équipe et de pilotage d'entreprise. L'agilité doit viser une amélioration générale de l'entreprise. Alors les startups tentent aujourd'hui d'instiller de l'agilité au-delà du développement logiciel, et c'est parfois cocasse. Le recrutement et l'intégration de nouveaux arrivants sont par exemple des processus agiles chez Marmelab. Chaque nouvel entretien bénéficie des apprentissages des précédents et fait l'objet d'une rétrospective auprès des candidats. Et pour que les candidats et l'équipe en place sachent s'ils ont envie de travailler ensemble, eh bien le recrutement comporte un entretien collectif pendant lequel candidats et collaborateurs jouent ensemble à un jeu collaboratif sur un pied d'égalité. Et si l'agilité a réussi à transformer l'informatique, elle peut probablement aussi transformer d'autres services qui souffrent de problèmes récurrents, comme le service après-vente ou le service des cartes de cantine. Quelle forme peut prendre l'agilité dans la direction des achats, dans la direction financière, dans la direction commerciale ? Moins d'échanges de documents, plus de travail collaboratif ? Les principes de l'agilité ne me paraissent pas difficiles à généraliser. On peut même les appliquer aux partenaires, aux sous-traitants, et bien sûr aux clients. Et donc, tout comme nos chers insectes, l'agilité peut donc s'instiller partout. Aucun territoire ne lui est interdit, même les plus poussiéreux. Et puis, les naturalistes ont commencé à comprendre il y a quelques années que le code génétique ne déterminait pas tout. Deux œufs pondus par la même reine abeille, Apis mellifera, et disposant du même code génétique, pourront donner soit une ouvrière si la larve est nourrie avec du miel, soit une reine si la larve est nourrie avec de la gelée royale. L'environnement décide souvent de l'expression ou de l'inhibition d'un gène. C'est le domaine de l'épigénétique qui est très en vogue en ce moment. L'épigénétique nous apprend à activer ou à désactiver des gènes déjà présents, ce qui est beaucoup moins compliqué que de changer les gènes eux-mêmes. Quel serait l'équivalent de l'épigénétique dans le monde de l'entreprise ? Eh bien, tout simplement une amélioration de l'environnement de travail des collaborateurs pour permettre l'expression d'un caractère enfoui. J'étais très étonné de voir le niveau de confort dont profitent les informaticiens. Espace commun chaleureux, jeux, livres à disposition. Au début, je me demandais à quoi bon, puisqu'ils regardent leur écran toute la journée. Et puis, je me suis rendu compte que cet environnement leur permettait de s'épanouir au travail et que d'un point de vue purement comptable, le résultat compensait de loin l'investissement. Et c'est mon quatrième et dernier conseil aux entreprises qui veulent tirer le meilleur parti de l'agilité. Tous ceux qui utilisent, achètent, fabriquent, vendent, financent les produits ou services de l'entreprise sont concernés, et la transformation agile doit viser à faire que tous ces gens-là se sentent merveilleusement bien. Voilà, si on analyse de façon scientifique l'agilité, qu'on en extrait la quintessence, on découvre ces quatre principes fondamentaux que j'ai nommés de la façon suivante: faire de la sécurité un prérequis, apporter de la valeur en continu, expérimenter et apprendre rapidement, et rendre les gens fantastiques. Ces quatre principes garantissent une adaptation rapide, sans dommage pour la société et au bénéfice de tous. J'ai appelé cette approche l'agilité moderne, et je compte publier prochainement une thèse sur le sujet. Il ne me reste plus que la recherche d'antériorité et ça peut partir à l'imprimerie. Le plus beau, c'est que comme ces quatre principes reposent sur des lois naturelles, elles s'appliquent donc non seulement aux entreprises, mais aussi à tous les écosystèmes. Ça veut dire qu'ils s'appliquent même au microcosme des entomologistes, vous et moi. C'est très important parce qu'aujourd'hui, notre métier change. De nouveaux outils comme CRISPR, qui permet de transformer profondément le vivant à l'échelle moléculaire, eh bien, comme l'agilité permet d'accompagner et de susciter le changement profond de la société, ces nouveaux outils nous confrontent à des questions éthiques que ce pouvoir immense nous confère. Et dans les deux cas, les acteurs de la transformation, les informaticiens et les biologistes, ont une lourde responsabilité. Voilà, j'arrive à la fin du temps qui m'est imparti, c'est donc le moment de conclure.
Que devez-vous retenir de cette méthode qui fait miracle dans les startups? Que peut-elle apporter de concret à notre travail de tous les jours? L'agilité n'invente rien de nouveau. Elle ne fait que répliquer des mécanismes de sélection naturelle que nous connaissons bien. Mais après tout, nous savons que depuis le milieu du 19e siècle, l'homme n'a rien inventé de très révolutionnaire. L'entreprise réinvente la roue avec un peu de retard. Mais ces mécanismes sont accélérés et orientés par l'intelligence humaine. Ils conviennent à merveille au monde changeant dans lequel nous vivons. En s'appuyant sur les quatre principes fondamentaux de l'agilité moderne, tout écosystème peut évoluer plus rapidement avec moins de dégâts collatéraux. Quant aux rituels, eh bien chaque espèce peut les réinventer à sa guise. Mais l'entreprise, elle, pourrait évoluer encore plus vite. Eh bien oui, voyez-vous, les entreprises transmettent leur caractère, les reproduisent, si vous préférez, de façon très archaïque. Dès qu'une entreprise a du succès, des tas de jeunes pousses lui emboîtent le pas et copient son produit. On peut assimiler ça à la multiplication végétative, au bouturage en quelque sorte. Pas besoin d'un partenaire au bagage génétique différent. Et oui, le monde de l'entreprise n'a pas encore inventé la reproduction sexuée. Mais vous et moi, nous savons que la reproduction sexuée est un accélérateur phénoménal de l'adaptation. La clé pour accélérer encore davantage l'adaptabilité des entreprises agiles, c'est donc la diversité. Et si les entreprises deviennent sexuées, elles accéderont alors à la deuxième sélection découverte par Darwin, non plus la sélection naturelle, mais la sélection sexuelle, qui fait qu'une femelle sera plus attirée par un mâle dont le chant est plus mélodieux, ou qu'un mâle sera plus attiré par une femelle qui a une carapace d'un rose profond. Et les entreprises, comme les êtres vivants, découvrons qu'au-delà de l'utile, il y a le beau. Quant à la nature, eh bien les mécanismes de l'évolution, nous le savons, sont trop lents pour permettre aux espèces vivantes de s'adapter aux changements rapides. En particulier, beaucoup d'espèces sont en train de s'éteindre à cause de la catastrophe écologique majeure que nous vivons actuellement. Il n'est pas impossible que si nous continuons à réchauffer notre planète, nous arrivions aux limites de la mécanique de Charles Darwin. Alors l'homme agile, à coup sûr, survivra, mais il risque d'être bien seul, hein, sans vaccinium myrtillus, ni Megaptera novangaliae, sans Bombyx mori, et bien sûr parce que nous serons devenus inutiles sans entomologistes. Je vous remercie. Et si vous souhaitez poursuivre la discussion, je vous propose de me retrouver lors de la collation de mi-matinée, car nous n'avons malheureusement plus le temps de répondre à des questions. Merci.